Ok. Pas comme notre hôtel à Zurich. Non, maintenant elle marche à nous. C'est bon, Jack. Arrête ça. La seule élue. Quoi? Je prends mon rôle très au sérieux. Séduire le modèle le mieux payé du monde. Jardin zen. Mais y a pas de galets. Il doit y avoir des galets, sinon c'est pas zen. Enfin bon, il y a 2077. Les galets. Waouh. Waouh, waouh, waouh. La moumoute sur les bras. Tout le monde a décidé de me faire chier ou quoi? Putain. Pourquoi il a fallu que je passe en ce moment? Je peux monter là? Non. Ah, t'es drôle. Le bar a pas l'air trop mal. Bienvenue au Konpeki Plaza. Nous ne prenons pas de réservation en semaine, alors choisissez la table qui vous plaît. À moins que vous ne préfériez vous asseoir au bar. Je viendrai peut-être avec Misty un jour, quand on aura bouclé cette affaire. Mais boucle-la ! On peut toujours y jeter un œil. Merde ! J'ai l'air d'un putain de colporteur avec cette mallette. Ton langage ! Je monte. Je sais pas si j'ai vraiment un intérêt à jeter un œil, mais bon. Oh mon dieu, c'est quand quoi ça? Quand des têtes vont tomber, c'est pas juste façon de parler. Croyez pas que vous avez assez bu? Vous mettez les autres clients mal à l'aise. Tant mieux! Parce que ça les affectera aussi! Ça éclaboussera tout le monde! Qu'est-ce qui va éclabousser tout le monde? Tu veux savoir à quoi ressemble un oiseau de mauvais augure? Qu'est-ce qui pèse 100 tonnes? Fait presque 2 km de long et avance à l'énergie nucléaire. La réponse est amarrée dans la baie. Anako Asaka a décidé de prendre des vacances. Pas si fort. Tu parles de la fille de l'empereur, là. Descendre des bières en gueulant des conneries. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Si tu continues, ça va mal se terminer pour toi. Merde! T'as peut-être raison, hein. J'aurais fait une BA. Tant que tu le peux encore. Tu sais quoi? C'est ce que je vais faire maintenant. Eh ben, j'ai fait une bonne action aujourd'hui. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que je vous sers, beauté? Oh. Beauté. Et si vous me donniez déjà votre nom? Comme ça, je saurais ne plus me plaindre à votre superviseur. Qu'est-ce qui vous fait croire que je travaille ici? La tenue? Vous vous tenez devant moi? Vous savez à qui appartient le Konpeki Plaza? Non. C'est étrange. Personne ne le sait. On dirait que c'est un fantôme. Mais qui que ce soit, il aime que ce soit impeccable ici. Que ça brille. Peut-être bien. Peut-être bien qu'il se préoccupe tellement de la qualité du service qu'il se fait parfois passer pour le barman. Et pourquoi il ferait ça? Je sais pas. Pour garder un œil sur ses affaires. Empocher quelques points. J'aime bien. J'aime bien. Chouette histoire, Tume. Dommage que ce soit des cracks. Tout le monde s'arrange avec la vérité. Toi aussi, beauté. Je vous sers quelque chose? Au moins, de l'eau? Faites voir ce que vous avez. Tout de suite. Mais là, ça, c'est une phase qui est... Alors, on a une immersion qui est géniale sur le côté bar, il y avait une histoire. Le mec, il aurait pu enchaîner sur « Tiens, prends ce verre et... » Mais sans ça, ça sert à rien, ça. Surtout, il a limite des milkshakes. Dans une corpo, des milkshakes, quoi. En plus, ça va aller directement dans l'inventaire, ça va pas être bu, c'est nul. Oh, ça, c'est pas mal. Voilà. Putain, j'ai déjà un inventaire tellement plein d'alcool. Par contre, si je clique là, je le... Non. Il a rien laissé derrière lui, par hasard? Le Gugus. Il y a un seul truc à fouiller, c'est ce sac. Ah. Non mais ça, je m'en fous. Bon, j'accéderai pas à ce truc. Honnêtement, je n'accéderai pas à ce truc. C'est bizarre que ça. Yeah!
Parce que je peux juste passer derrière le bar. Un Bosch, un Manet, deux miniatures de Basquiat. Rien que des classiques. Pour embarquer tous les sous en champagne du monde. Monsieur parle de... Bartolomeo Mordellini. Anna, qu'est-ce qu'elle fout à Night City? Bonjour, tu n'es pas Bob Lennon. Ha ha. Numéro 3. C'est une critique de... Ah, je sais plus... Dieu, peut-être. Bien sûr. Elle a coûté combien? La gratitude d'un artiste, c'est prestigieux. Je fais une sauvegarde, je tente. Je tente. À mon avis, je vais me faire un petit peu taper sur les... Bah, tu réfléchis trop. Okay, je ne peux pas, de toute façon. Ok. Hideyoshi Oshima. Ah, ah, on est complètement devant un gros gros clin d'œil au papa des Metal Gear. もちろん Salut. Ah mais j'aimerais tellement... Ils auraient tellement pu faire plus qu'un « et » quoi. Sérieux. Oh. Non, non, toi tu m'écoutes. Je peux fermer les yeux sur l'affaire de Cuba, mais pas sur Nairobi. Farida, j'ai absolument rien à voir avec... Femme de chambre. Non mais... N'a pas de corps en dessous de sa robe. Je note. Jeu 18+. Bon. Un embargo? En quoi c'est mon putain de problème, hein? Ah ouais? Quoi de neuf dans le monde? J'ai 20 modèles récents d'Aikani. 10 containers de munitions anti-char et une tonne de mines antipersonnelles. Il a 10 modèles récents de Balkany. Les transports seront pour les soviétiques, le syndicat zéro. Ou bien je les larguerai directement de leur orbite. Mais je veillerai d'abord à ce qui vous passe sur le corps. Vous savez pourquoi? Parce que Hajime Taki remplit toujours ses contrats. Et je dis bien toujours! Alors si j'ai promis aux Kurdes de leur fournir des Daikani pour les aider dans leurs négociations avec Petrochem, la fumée de ces fermes biologiques fera couler des larmes à Night City. C'est le fameux monsieur qu'on est censé rencontrer. Je préfère ça, monsieur le ministre. On s'attend plus. Bon. On va jeter un œil sur les contrôles parce que c'est casse-pied. C'est juste casse-pied. Zone morte interne. Mais je suis même pas en plus. On peut pas juste désactiver la manette parce que c'est enfin. Raccourci clavier. Pff, la DS. Mettre en pause la... Ah oui, c'est la danse sensorielle, pardon. Exploration, combat. Avancer, reculer à la gauche, sauter, presque unité, s'accroupir. Changer d'arme, arme, attaque, c'est même plus vraiment en face quoi. Les... Je vois même. Ah oui, s'accroupir, sprinter, activer, désactiver, left shift. C'est cette attitude avec tout l'argent qu'on vous verse. Ah, c'est ce que. Saluez votre bon. Charmant. Ah, gna 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 gna. Sprinter, maintenir. Ah, d'accord. Attends. Ah mais attendez, je sprinte pas là. Aïe. Oh. Non, y'a rien. Donc en fait, ce que je... Ça veut dire que avant... Pourquoi je marchais aussi lentement alors avant?
Ouais, c'est la vitesse comme si j'étais accroupi. Je peux lui parler ou pas? Non, on voit mieux pas. Hein. Donc c'est le monsieur avec qui on a rendez-vous. Alors là, c'est le moment que je... D'accord, donc c'est du jardin zen, mais perpétuel, quoi. Dommage. Dommage. Vous vous reposerez demain, quand ce sera terminé. Sauf s'il décide de rester, bien sûr. Si ces connards là-dehors peuvent exiger ce qu'ils veulent juste parce qu'ils payent, alors moi aussi. Règle numéro 1. Rien ne doit te surprendre. Jamais. Si une pétasse friquée laisse tous ses chiens sauter dans la... Oh, véritable! Je prends! Il dit plus rien par rapport à la pétasse avec ses chiens. Tu disais? Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Attendez. Un cyberchat? Tu veux bien? Non, elle veut pas avancer. Ah, tout n'est pas tout parfait encore. C'est quoi ça, un cigare? Mais oui, on va prendre un cigare. Non autorisé. Bon. Là, c'est bloqué. Donc, on est dans une petite, jolie petite zone, mais on ne peut. Bon, qu'on peut explorer. Il nous laisse l'option d'explorer. Mais. Mais il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire en fait. Je sais pas ce que ça donne si j'appelle l'ascenseur là. On essaiera. Juste regarder s'il n'y a pas d'autres conneries sur les autres tables. Accord de confidentialité. Oh! Non, je veux pas ramasser des seaux à champagne! Bon, on va prendre cet ascenseur, on verra si ça m'emmène où qu'il faut. Boum, boum, boum. Wow! D'accord, ça emmène que au parking. Bon, d'accord. Bon, bah, voilà. Je vais quand même marquer toutes les caméras. Je sais pas si ça peut être utile pour la suite, mais... Je crois que j'en avais une autre par là. Non. Oui. Non. Ils sont même pas marqués comme hostiles, c'est magnifique. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas, ça. Voilà. Ça sera peut-être utile par la suite, on verra bien. On verra bien. Et voilà pourquoi il faut pas laisser les mignons faire du rap. Ascenseur ! Ah, la musique est cool quand même. On dirait du jazz. Ah, c'est pas en fond de... Ah. Eh ben le jardinier doit bien en chier. Fini de te plaindre, oui! Ils ont goldé la peau de tous leurs employés? Ça fait cher quand même, juste pour. Quoi, t'as un problème? Non, je voulais savoir où t'avais acheté ta tenue, c'est. Rose, bleu, noir, ça... bizarrement ça va bien. C'est joli. C'est un peu à ça que je m'attendais en choisissant Corpo, c'est qu'on se retrouverait dans des endroits comme ça un peu. On dirait deux personnages de Final Fantasy. Je vais les suivre des fois qu'ils parlent. Ou qu'ils s'embrassent. Ça se trouve, c'est des amoureux.
Faites comme si j'étais pas là, je prends une clope. Non, il parle pas. De la pub. C'est quoi ça? C'est un vaisseau. Oh punaise. C'est une navette? Ok. Chevalière NCU. Nervous Cinematic Universe. Clin d'œil à un copain. C'est gigantesque! Je peux pas prendre ça. La 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 la! Avec les talons! Vraiment relax, hein. La tête se relever. C'est pas toi qui étais d'en bas tout à l'heure? Je n'achèterai rien. Ok. Oh, la vue! Bon, ça, je suis pas trop fan des bars les bars hab, habitation. Mais, waouh. Ah, mais il y a quand même pas mal d'engins volants, quoi. On dirait un aigle de Cosmos 99. Et qui vient de disparaître. Bon, ok. Genre... Pathfinder, durant l'été 2020, lorsque la mission Pathfinder de l'année... D'accord, c'était pas le jeu de rôle. Chaque journal, des photos de l'équipage étaient placardées, nanana, pourtant une semaine plus tard, les informations se tarissaient, un mois plus tard, le monde oubliait tout de leur existence. 3 ans plus tard et 2 ans avant leur arrivée prévue en orbite de Jupiter, un conflit éclatait, nous l'appelons aujourd'hui la 4e guerre des corporations. Cap Canaveral fut l'un des premiers sites stratégiques à être entièrement détruit, centre de contrôle de mission de la NASA y compris. Pathfinder, dans les vastes étendues de l'espace, se retrouvait coupé de tout. Lorsqu'une trêve fut enfin signée, 3 ans plus tard, oups, Nilitech tenta de reprendre contact avec l'équipage de Pathfinder sans succès. Le signal de Pathfinder avait, semble-t-il, été englouti par le vide de l'espace, ou peut-être que tous les mecs qui étaient à bord sont morts! À ce jour, nous ne savons pas, toujours pas si la mission Pathfinder fut une réussite ou un échec. Si l'équipage a un jour atteint Jupiter et ses lunes, nous n'en avons reçu aucun message, aucune donnée, aucune piste à suivre. Peut-être n'ont-ils jamais eu la moindre chance d'y arriver, peut-être qu'après un demi-siècle de silence, ils n'ont tout simplement rien à nous dire. Ou qu'ils ont décidé de couper les cons parce qu'on les allait complètement abandonner. Moi perso, c'est ce que je ferais. Hein. Oh. Et tu pouvais rentrer, t'étais pas obligé de m'attendre. Oh celui-là, faut même lui tenir la porte, quoi. Je vous jure. On est dans notre chambre. Plutôt classieux. Dommage qu'on reste pas dormir. Super choix, Bug. Des menottes. Elle a choisi pour sa classe. Elle a offert celle plus rapide aux résidents et aux serveurs. Des menottes. Mais à quoi elle doit? Maintenant, démarrez le flathead et trouvez l'entrée du conduit. Ça a pas l'air trop dur. J'en reste coy. La simplicité est parfois la route la plus difficile. C'est qui cette fois? Marc Aurel, Aristote? Celle-là? T-Bug. Il est où le conduit? Lance ton scanner et cherche tout autour. Chut. Ah, encore une histoire! Bon, il veut pas. Si. Le dragon apprivoisé, la bio de Yorinobu Asaka. Bon, on va pas forcément lire ça, ça va être long et pas forcément intéressant. Ben, il est là le machin, j'ai même pas besoin d'utiliser le scanner. Ah, tu veux quand même que j'utilise le scanner. Un gagnant. Super. Jackie, où on est le flathead? Il est en place. Et ça, c'est pour que la dame qui fasse la cérémonie du thé, elle soit accroupie pendant qu'elle vous sert à gauche, puis à... Pourquoi il a passé? Il a un mode furtif? Je peux le suivre? Charge à 100? Oui. Charge à 100? À 100 battre les couilles? Merde. Fais chier, il est coincé. LOL! Elle est restée là à le regarder galérer? Faut passer en commande manuelle. V, prends l'éclat de contrôle de Jackie. Je vais connecter tes Kiroshi à la vidéosurveillance pour que tu guides le robot. Tiens. C'est parti. Ça va sûrement te désorienter un peu, mais panique pas. Mia ? Non, on peut revenir sur l'autre ! Wow. Ok, j'ai un bon visuel.
Vous ne pouvez pas mettre les gens à la porte de chez eux et de leur lieu de travail comme ça. Arasaka, je fais ça comment? Dommages et intérêts en intégralité. Ce n'est pas une question. Je veux bien, mais je fais ça comment? Les élections approchent. J'appuie sur les touches, ça bouge pas. Les gens vont commencer à dire que j'ai perdu le contrôle de Watson, mon propre quartier. Une semaine, c'est tout ce qu'on peut vous promettre. On essaiera, et c'est tout ce que je peux vous promettre. Qu'est-ce que je disais par rapport au maire? Qu'est-ce que je disais? C'est bon, le flathead est entré. Je te connecte à la caméra suivante. Pourquoi tu crois que c'était pour toi? C'était adressé à la gentille femme de ménage qu'il trouverait. Le mot disait « désolé pour le désordre ». Il y avait du sang partout. Mais il a laissé un pourboire au moins. Je suis la seule à retrouver que du vomi et des capotes usagées. Il n'y a vraiment pas de justice. Bug, j'ai un souci. Quoi encore? Une femme de ménage sur le chemin. Faut détourner son attention. Voyons ce qu'il y a sur le sous-réseau. Ok, ça marche. Le beau gosse, super riche, avec un regard coquin. Et la télé alors, t'en dis quoi? Ce que j'en dis, cherche encore. De Yorinobu Arasaka? Les types comme lui sont toujours célibataires. Un panneau smart room, ça peut servir? Il porte un costume hors de prix, mais c'est un biker dans l'âme. Toujours prêt pour une nouvelle chevauchée. Ça sert à rien, mais un régulateur de température et de qualité de l'air. Premios, envoie-t-il déjà par essuyer ce verre? Regarde ça, tu laisses des traces partout. C'est rigolo. C'est rigolo. Je comprenais pas au début, mais c'est rigolo. Kat, il y a un problème avec le terrarium. Hey Bug, ça a marché. Mais t'as encore rien vu. C'est seulement combien ça vaut, ces trucs. Continue d'avancer, on se félicitera plus tard. Et pourquoi tu redescends? Tu pouvais passer par le plafond? Bon. Toujours les problèmes de Pathfinder. Ok. C'est pas mal, ces petites... Ça me semble trop évident. Ouais, de toute façon... C'est rigolo. Ah oui, tête plate. Ok, c'est pas tête plate genre bélier, c'est tête plate genre je passe. Ok. Le résident est derrière la porte. Le flathead peut forcer la serrure. Bon. Galère, on dirait. Merde. Doit y avoir un autre accès. Laissez-moi réfléchir. Il y a une autre caméra de l'autre côté de la porte, mais elle est coupée. Tu veux que je l'active? Ouais, cherche un port de vidéosurveillance. J'avais un petit peu tout repéré avant, donc... Ouais. Oula, changer de caméra... Maintenant, passe sur l'autre caméra. Il est à l'intérieur. Comme prévu. Mais c'est bizarre que cet hôtel ait qu'un seul runner. Un bon résident fait aussi bien que 10 runners de base. On fait quoi maintenant? Neutralise-le. Utilise le flathead pour te connecter à lui. Je vais le geler avec un démon. C'est du vieux jargon, me demande pas. Le résident va se douter de rien. Connecte-toi directement à son fauteuil. Il va pas comprendre ce qui lui arrive. Tu pourrais débarquer avec un char d'assaut dans la pièce qu'il le remarquerait même pas. Le monde réel n'existe pas pour lui. Mais tu vas d'abord devoir faire entrer le flathead. On dirait que le conduit relie les deux pièces. On va vérifier ça. Maintenant, passe sur l'autre caméra. Je crois qu'on caméra. A trouvé notre entrée. Envoie le flathead là-bas et passe sur la seconde caméra.
Voilà, voilà, voilà. Coucou, petite babette. Connecte le flathead au fauteuil. Tipi 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 tipi. Tu m'étonnes que le machin il va être mono-utilisation. Quand ils vont se rendre compte qu'il y a un truc connecté au fauteuil, ils vont le dézinguer à coup de Gatling. Il monte, il marche dessus. On l'a eu. J'adore ces démons. Le flathead reste là, hein? Ouais, pour surveiller le résident. J'entre dans le réseau principal du cône Peki. Tu peux te déconnecter. On le fait automatiquement ou... Ok, merci. Ainsi est-ce qu'on sait assez. Comment tu te sens? Ça va. J'ai juste la tête qui tourne. Bug, t'en as encore pour longtemps? T'es là, Bug? Ouais, ouais, je suis là. Bon, écoutez, la glace est plus épaisse que prévu. Ça va me prendre quelques heures pour la percer. Quelques heures? Il n'y a pas moyen d'accélérer. Tu veux que ma cervelle grille ou quoi? Osez-vous et profitez de votre suite de Bourges. Compte sur moi. V, détends-toi, ok? Essaie de te reposer. Alors attends, avant de me reposer... Oh! Bien sûr, d'avoir une salle de bain mail. Waouh! Des toilettes carrées! Ça fait des mois que j'en ai pas utilisé! Oh là, cette baignoire. Mais. C'est dommage, il nous laisse. À quoi on ressemble du coup? Quand tu veux que tu t'allumes? Yeah! C'est sur... Ah oui, c'est elle, souris. Bon, bah, c'est déjà pas mal, tout ça. Hein? Allez. Magnifique. J'aime beaucoup. Ah, la porte s'est quand même refermée. Je peux prendre une douche ou pas? Non. Profitez de votre seuil de bouche pendant des heures. Il y a une grosse baignoire. Ah non. Quoique... Non, tu t'en sers pas. Tu ne te sers pas de la baignoire. T'as juste une option, c'est te poser dans son coin et puis regarder ce bug de valise. Je peux pas lui parler? Non, il faut s'asseoir. Oh. Ah ouais. À ton avis, pourquoi il a renoncé à tout ça? Qui a renoncé à quoi? Yorinobu Arasaka. Il a renoncé à la belle vie. Ça date, je sais. C'est juste que... Je me demande. C'est comme... Imagine. T'as absolument tout, tu vois. Les édits, l'éducation... Ton vieux peut transformer la moitié du monde en désert nucléaire d'un claquement de doigts. Mais toi, au lieu d'en profiter et tout ça, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un putain de gang. Les dragons d'acier machin. T'abandonnes ta famille, tu te fais poser de la real skin, et tu joues les chefs de gang pendant des années. Pourquoi? J'aime beaucoup cette expression. Tu l'as dit toi-même. On peut chasser le rat de la corpo. Mais pas la corpo. La corpo du rat. Ouais. On va se faire chier. C'est ce qui arrive à tous les gens pleins aux as. C'est qu'un putain de touriste. Touriste ou pas, il vient d'entrer dans le hall. Les affaires reprennent. Sécurité du penthouse neutralisée. Perfecto. Que le spectacle commence. Let's rock.